Hello everyone, I'm Jen, community developer on Rainbow Six Siege, and today we will be discussing the impact of the closed alpha on our game. I'm joined by Xavier Marquis, creative director. Donc bonjour Xavier, l'alpha est terminée. C'est quoi tes impressions, première réflexion, post-alpha? Quelle utilité? En tout cas, c'était vraiment l'événement le plus utile qu'on ait pu vivre, en tout cas sur Rainbow Six Siege. On fait tout ça en fait pour qu'une communauté s'engage, pour que des joueurs voient le jeu, etc. Puis en fait c'est l'inverse qui s'est passé, c'est moi-même qui me suis rendu un peu addict au feedback que je pouvais lire et j'ai trouvé ça intéressant au point que je ne peux plus imaginer dans la suite de ma profession en fait ne pas avoir ce genre de rendez-vous. Qu'est-ce que les joueurs t'ont appris? Le premier point que j'ai noté, c'est au combien le feedback de communauté était extrêmement précis et auquel cas c'était vraiment utile. En fait, il y a eu des points qui dans mes listes de travail sont remontés très très haut alors qu'ils étaient classés plutôt bas ou certains même pas vus du tout. Par exemple, très utile. Le hit marker en fait. On l'avait mis de côté, oublié en fait. Il était en plein centre de l'écran et il était petit, on ne le voyait plus. On avait tellement pris l'habitude de jouer dans l'esprit de notre jeu qu'en fait on ne l'utilisait plus et on s'était dit qu'on devait corriger ça un jour, mais c'était comme ça. Et là, premier truc repéré par la communauté et extrêmement accurate parce que complètement dans l'esprit du jeu. Effectivement, le jeu c'est une quête de l'information. C'est je ne sais pas et je veux savoir. Oui. Et cet élément-là pouvait nous permettre de tricher. Et là-dessus, c'est génial en fait. Je me suis dit, bah, génial. Ils ont carrément spoté le détail qui me permet d'améliorer le jeu, de retirer ça de la boucle. Parce que mis à part le feedback, il y a aussi la data qu'on est en train de compiler, analyser. Il y a deux choses en fait. Le premier qui m'intéresse, c'est le feedback empirique directement. C'est un ressenti, c'est des gens qui parlent avec passion, c'est de la vidéo, c'est du texte. Puis la deuxième chose, c'est une data froide que l'on traite. Parce qu'en fait, on enregistre tout ce qui se passe sur les serveurs. On connaît les mouvements de chaque personne, les tirs, les kills, etc. On a cette data froide qui nous permet de trouver, de déceler des énièmes problèmes, des optimisations que l'on peut trouver. Puis qu'est-ce que tu penses que c'était l'effet sur l'équipe? Qu'est-ce que tu as observé sur le floor? Pour être honnête, on s'est jeté sur tous les feedbacks qu'on pouvait voir. Moi, j'ai mangé du Twitch la première journée. J'ai dû commencer avec un groupe et j'ai fini le soir chez moi, à table devant ma télé. Et puis, ils s'arrêtent en disant, bah voilà, ça fait 9 heures qu'on joue. Bah, moi, je les ai suivis. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la communauté? On s'engage pour du long terme, suivez-nous parce qu'on n'en a pas fini avec cette histoire. En fait, l'alpha, c'est notre premier gros rendez-vous avec vous, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver jusqu'à la sortie du jeu et bien après la sortie du jeu. Nous, on a décidé de créer ce jeu, en tout cas pour du long terme. Rainbow Six Siege est une expérience qui va vivre très longtemps. Merci beaucoup pour ton temps, Xavier. On se revoit une prochaine fois. Merci, à bientôt. Thank you everyone for getting involved in our closed alpha. Keep chatting on our community platforms with Chase and myself. And if you want more details of the impact of the alpha, make sure to head over to the Rainbow Six blog. I'll see you guys next time on Community Corner.